kango ezala na tango na mo tobini nanduka lokumu emati nzambe mpenza nakisa bino nosusu batriple azomuka mabala malonga mpenza do nzambe mpenzako adispose ba ange boyi mpo na nini parce que lie siège au milieu de la ede exactly donc eza mpenza kongo donc biso lelo tozwi ya motuya aya kopesa biso mobiko bekeli yesu Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vous salue tous dans le nom de mon Seigneur Jésus. Amen. Et je salue la présence de tous ceux qui sont venus pour la première fois au milieu de nous. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Et je veux aussi saluer la présence de mes collègues de travail qui sont là. Promotion. Vous asseoir. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Et bien aimé, ce soir je viens parce que c'est la première activité de femmes dans notre église. Alléluia. Donc, j'aimerais poser un fondement ce soir et j'ai pris à ce que toutes les activités des mamans qui viendront après, que le Seigneur puisse se glorifier. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Bénis ce temps. Nous voulons t'entendre. Nous voulons que tu nous parles. Parce que c'est toi qui as la parole de la vie. Seigneur, je viens prier à ce que le Saint-Esprit, contre toute manœuvre de l'ennemi, dans le nom de Jésus, je consacre cet endroit, que tout soit pour la gloire de ton nom, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, plus rapidement, j'aimerais que nous puissions lire la Bible. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 27. Nous allons lire le premier verset. Pardon, nous allons lire à partir du premier verset et nous allons descendre. Nombres, chapitre 27, verset 1, et nous descendons. Je lis dans le nom de Jésus. Tselophat, un descendant de Joseph, Manassé, Makir, Galat et Éphèr avaient eu 5 filles, Mala, Noah, Olga, Milka et Tirsa. Elles virent se présenter devant Moïse, devant le prêtre Éléazar, devant le prince et toute la communauté à l'entrée de la tente de rencontre, elle déclarait « Notre père est mort dans le désert, mais il ne faisait pas partie du groupe de partisans de Corée qui se sont ligués contre l'Éternel. Il est décédé par ses propres fautes, sans laisser de fils. Faut-il que le nom de notre père disparaisse de sa famille parce qu'il n'a pas laissé de fils? Donne-nous aussi une propriété comme aux frères de notre père. » Moïse porta l'affaire devant l'Éternel. L'Éternel lui dit, les filles de Tselophad ont raison. Tu leur donneras une propriété en patrimoine comme aux frères de leur père, et tu leur transmettras la patrimoine
fonciers de leur père. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le thème de ce soir est intitulé « Femme, lève-toi et change le verdict de ta génération. » Alléluia. Bien-aimé, ce quoi un verdict? Un verdict, c'est un jugement. Alléluia. C'est un jugement donné. C'est un point de vue donné par un cours. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le verdict. Alléluia. Et bien aimé, selon la lecture, nous voyons, on nous parle d'une famille. Alléluia. Amen. La famille de Tchalophat. Cet homme était mort. Il n'a pas laissé de fils. Au contraire, il avait laissé des filles. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, selon la loi juive, la loi que Dieu avait donnée à Moïse, quand un père meurt, il ne laisse pas un fils comme héritier. S'il a des filles, c'est-à-dire l'héritage ne sera pas de nos filles. Alléluia. Parce que les filles n'étaient pas destinées à hériter. Amen, amen. Mais bien aimé, cet homme Tchalophat, il avait 5 filles. Et après sa mort, ses filles vont s'élever pour aller vers Moïse pour lui demander. Notre père est mort. C'était un homme fidèle à Dieu. Il ne s'était pas rébellé à Dieu comme le fils de Corée, mais il n'a pas laissé de l'héritage. Est-ce que le nom de notre père peut disparaître seulement comme ça? Nous voulons que tu nous donnes une propriété. Alléluia. La Bible dit Moïse est allé vers Dieu, parler à Dieu par rapport à ce problème. Et Dieu va le dire, les filles ont raison. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, il y a quelque chose qui me frappe. La loi, c'était la loi que Dieu avait donnée. Alléluia. Au travers de son serviteur Moïse. Je sais, bien aimé, tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Amen. Rien de ce que Dieu fait est impur. Rien de ce que Dieu fait est imparfait. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Mais ici, bien aimé, il y a une loi que Dieu avait établie. Il y a une loi que Dieu avait donnée. Alléluia. Amen. Mais cependant, bien aimé, cette loi, c'est-à-dire disqualifier les autres pour qualifier les autres. Alléluia. Amen. Cette loi, bien aimé, privilégier un groupe et négliger l'autre groupe. Alléluia. C'était les hommes qui étaient privilégiés. C'était les hommes qui avaient accès à l'héritage, alléluia. Mais pour les filles, la Bible disait niet, alléluia. La loi disait niet, que les filles n'avaient pas droit à l'héritage, alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimés? Les filles de Tchalophat se sont levées, alléluia. Pour dire, pour nous, cette loi ne passera pas, alléluia. Pour dire, pour notre famille, cette loi ne passera pas. J'aimerais qu'une femme s'élève et s'oppose à toute loi, alléluia, amen, qui condamne sa destinée, amen, à toute loi qui condamne sa famille, amen, à toute loi qui condamne son bien-être, alléluia. Il y a des lois qui condamnent ta vie, il y a des lois qui condamnent ta destinée, il y a des lois qui condamnent la vie de tes enfants, il y a des lois qui te condamnent à la stérilité, il y a des lois qui te condamnent au célibat, alléluia. Il y a des lois qui sont établies. Mais ces femmes ont dit, cette loi pour nous ne passera pas. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, s'opposer à Moïse, c'est s'opposer à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui avait donné la loi. C'est-à-dire, quand les femmes s'opposaient, elles s'opposaient à Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. Parce que c'est Dieu qui les avait créées femmes. Alléluia. Dieu les avait créées femmes, ce n'est pas parce qu'elles voulaient. Alléluia. Mais c'est Dieu par son gré, c'est Dieu par sa volonté, il a voulu qu'elle soit femme, alléluia. Amen. Mais quelque chose, comment le Dieu qui nous a créé femme va faire à ce que le sang seulement hérite et que les femmes n'arrivent pas à hériter, alléluia. Amen. Les femmes se sont révolutionnées. J'ai dit à une personne, tu es femme parce que Dieu a voulu. Amen. Tu es femme parce que Dieu t'a créé pour un but. Tu es femme parce que tu as un rôle à jouer. Amen. Tu es femme bien aimée dans le Seigneur parce que tu as quelque chose à apporter.
mariée dans ta famille. Tu n'es pas femme pour rien, mais c'était femme pour accomplir quelque chose. Alléluia. Amen. La loi Dieu avait donnée à Moïse. La loi existait déjà. Elles ont trouvé cette loi. Alléluia. Je pense, bien aimé, d'autres personnes, d'autres femmes, elles avaient laissé cette loi continuer. Alléluia. D'autres femmes bien aimées de le Seigneur, elles étaient soumises à cette loi. Mais ces femmes ont dit, cette loi pour nous, ça ne passera pas. Alléluia. J'aimerais que bien aimé, que toute loi qui est contre ta vie, que tu dises, pour moi, cette loi ne passera pas. Alléluia. Toute loi qui te condamne, toute loi qui condamne ta famille, que tu dises, cette loi ne passera pas. Alléluia. Moïse a pris le problème, il l'a amené vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Ces femmes ont raison. Alléluia. Amen. Dieu va dire, ces femmes ont raison. La Bible dit, la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais seul le roi est de révéler. Vous savez, bien aimé, Dieu, dans la Bible, alléluia, il avait toujours eu comme habitude de cacher certaines choses. Alléluia. Et les choses que Dieu cachait, ce sont des choses où résidait la puissance de Dieu, où résidait la force de Dieu. Alléluia. Il a dit à Moïse, vous allez manger l'animal, mais vous n'allez pas boire le sang. Amen, amen. Mais quand Jésus est venu, il a dit, prenez mon corps et buvez mon sang. Parce que dans le sang, il y avait la force, dans le sang, il y avait le pouvoir. Alléluia. Vous savez quelque chose, bien-aimé, il y a cela pour régner. Alléluia. Ils ont versé le sang. Il y a cela pour avoir des postes politiques, alléluia. Ils ont versé le sang. Il y a cela pour avoir des maisons, pour avoir de l'argent, ils ont versé le sang, alléluia. Parce que dans le sang, il y a le pouvoir, alléluia. Mais Dieu va dire, vous allez manger le chair et vous ne boirez pas le sang. Amen, amen. Mais le Seigneur Jésus a dit, prenez mon corps et buvez mon sang. Parce que c'était une dispensation. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous introduit dans une dispensation de la puissance. Amen. Amen. Donc, bien aimé, ce sont dit, cette loi pour nous, ça ne passera pas. Alléluia. Amen. Moïse, ils vont aller dire à Moïse, elles vont aller dire à Moïse. Et Moïse va dire, les femmes ont raison. Alléluia. Les femmes ont raison. Dieu va donner raison aux femmes. Alléluia. Dieu va donner la raison aux femmes. Il va dire, les femmes ont raison. Bien aimé, maintenant je me demande, alléluia. Entre Moïse et les femmes, qui connaissait bien la loi des dieux? Parce que Dieu va dire, les femmes ont raison. C'était Moïse et le prophète. Mais comment Moïse ne connaissait pas ces choses? Il y a une chose que le modérateur avait dit. Elle m'a précédé. Pendant que Dieu avait fait dormir Adam, pendant que Dieu créait Ève, alléluia, il y a des choses que Dieu avait parlé avec la femme que l'homme ne connaît pas. Il y a des secrets, il y a des mystères que Dieu avait parlé à la femme que l'homme ne connaît pas. Alléluia. La femme, quand elle est là, amen, 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 elle ne voit pas les choses à la manière de tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ce que tout le monde considère, elle ne considère pas. Elle le voit au-delà. Alléluia. Amen. Vous verrez une femme, même quand elle voit une photo, dans la photo, elle sait. Elle sait apercevoir que l'habit que cette personne a porté est troué. Mais tout le monde a regardé la photo, non pas vu. Elle, quand elle regarde cet habit-là, est troué. Alléluia. La femme a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose que Dieu a mis à l'homme, que Dieu a mis à la femme que l'homme n'a pas. Amen, amen, amen. Parce que Dieu a créé l'homme avec la terre, mais la femme, Dieu l'a créée avec l'os. J'ai dit ceci, frappe par terre, tu n'auras pas mal. Mais frappe contre l'os, tu auras mal. C'est-à-dire la femme, c'était un produit dur, alléluia. Quelque chose de dur, Dieu a pris cela et il a créé la femme. Tandis que l'homme, Dieu lui a créé avec la terre. Amen.
Ça, c'est un mystère. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, dans la femme, il y a une dimension. Il y a une puissance. Il y a le potentiel que Dieu a mis en elle. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien-aimé, ces femmes étant de véritables femmes, elles se sont dites, alléluia, cette loi pour nous ne passera pas. Elles se sont levées, elles sont parties voir Moïse, alléluia, qui était l'auteur de la loi, celui à qui Dieu avait donné la loi pour dire, la femme ne va pas hériter, alléluia. Et Dieu va dire, la femme avait raison. Femme, lève-toi, change le verdict de ta destinée, alléluia. Change le verdict de ta génération. Bien-aimé, il y a des lois qui existent. Il y a des lois qu'on appelle des lois établies. Il y a des familles où des choses ont été dites sur les femmes. Ici, il n'y aura pas le mariage. Ici, il n'y aura pas la stabilité. Ici, il n'y aura pas la maternité. Alléluia. Et dans cette famille, bien-aimé, il y a des lois établies. Des lois établies sur le mariage. Dans ma famille, bien-aimé, il y a mon oncle, le grand frère à mon père. C'est-à-dire, la vie des filles, ils ont la race comme des métis. Alléluia. Et ces filles se mariaient. C'est-à-dire, si elles partent dans le mariage, nous savons, une année après, elles vont rentrer. Alléluia. Et c'était comme ça. C'était le business de leur père. Alléluia. Parce que c'était un sorcier. Et il utilisait ses filles. Alléluia. Tellement elles étaient très belles. Elles étaient des têtes claires. Il y avait des hommes qui venaient. Alléluia. Mais c'était le business de leur père, alléluia. Mais quand le père est mort, les filles ont commencé à prier, les choses ont changé, alléluia. La loi qui était sur cette famille, la loi était tombée, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toute loi qui a été dite, toute loi qui a été prononcée sur ta famille, j'aimerais qu'une femme s'élève aujourd'hui pour dire, pour nous cette loi ne passera pas, alléluia. Quand elles ont dit cela, bien-aimé, la loi a été révisée, alléluia. Et maintenant, Israël, quand un père décédait, il ne laissait pas les filles, alléluia. Il ne laissait pas les fils, c'est les fils, les filles qui devaient hériter l'héritage de leur père. Parce qu'il y a des femmes qui s'étaient levées, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais dans la Bible, il y a des femmes qui se sont levées et les choses ont changé, alléluia. Vous verrez quand on cite dans la généalogie de Jésus, on cite les noms, alléluia. Parmi les noms cités, il y a les noms des hommes, il y a aussi quatre noms des femmes, alléluia. On a cité quatre femmes dans la généalogie de Jésus. Alléluia. Je me dis, c'était des femmes. Qu'est-ce qu'elles sont allées faire là, alléluia. Pourquoi elles sont citées? C'est parce que ce sont des femmes qui s'étaient levées pour changer les choses. Alléluia. La première de femme qu'on a citée, c'est Rahab. Alléluia. Qui était Rahab? Rahab, c'était une prostituée. Alléluia. Mais quand les enfants d'Israël venaient pour entrer dans le Canaan, alléluia, venaient pour entrer à Jéricho, Rahab, c'est celle qui avait reçu les espions que Moïse avait envoyés. À cause seulement de l'alliance qu'elle avait faite avec les hommes de Dieu, cette femme est entrée dans la généalogie de Jésus. Alléluia. J'aimerais qu'une femme s'élève. Alléluia. Quand tu t'élèves, bien-aimé, et que tu entres dans l'alliance avec Dieu. Quand tu entres dans l'alliance, bien-aimé, les choses vont changer. Alléluia. Bien-aimé, ce n'était pas une juive. Alléluia. Mais parce qu'elle était en alliance avec les hommes de Dieu, tout le monde était chassé de Jéricho, seulement cette femme qui était restée. Et elle avait hérité. Alléluia. On n'avait pas touché à sa famille, on n'avait pas touché à ses biens. Il y a une deuxième femme qu'on a citée, Ruth. Ruth, c'est une Moabite. Alléluia. Moab, c'est un pays maudit. Alléluia. Un pays qu'on avait maudit. Alléluia. Mais quelque chose de bien aimé, cette femme Ruth, malgré elle venait d'un pays maudit. Alléluia. D'un pays où on avait maudit le gens, bien aimé, la femme avait saisi Naomi, elle a fait l'alliance avec Naomi et elle a dit, là où tu mourras, je mourrai.
ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, là où tu seras enterré, je serai enterré. Et bien aimé, quand elle a suivi Naomi, Ruth s'est mariée. Qui venait d'un pays maudit, de la Moab. Mais bien aimé, à cause de l'alliance qu'elle a fait avec Naomi, la destinée de cette femme a changé. Alléluia. Elle est citée parmi les ancêtres de Jésus. Alléluia. La troisième femme bien aimée, c'est Bathsheba. Alléluia. Qui est Bathsheba? Bathsheba bien aimée, c'est la femme de Uri. Alléluia. La femme de Uri, qui était Uri? Uri c'était un gendarme. Alléluia. Mais le nom de Bathsheba veut dire la maison du chef de l'armée. Alléluia. Bathsheba, c'est un nom composé. Bat qui est dérivé de Beth. Alléluia. Beth qui veut dire maison. Bethlehem, Bethel. Alléluia. Maison. Tcheba, c'est le chef de l'armée. Alléluia. La maison du chef de l'armée, mais son mari n'était pas le chef de l'armée. Alléluia. Mais un jour, Dieu, par sa manière de faire les choses, il a fait que le chef de l'armée, David, vienne vers Bathsheba. Et la destinée de cette femme avait changé. Parce que, bien aimé, sans Bathsheba, le trône de David est vide. Alléluia. C'est Bathsheba, la mère de Salomon. Amen. Ça m'amène à bien. Amen. Pourquoi, alléluia, Dieu a permis ces choses? Parce que la femme avait une destinée. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, les femmes se sont levées pour dire, cette loi pour nous ne passera pas. Alléluia. Amen. Et Dieu va dire, les femmes ont raison. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. Bien aimé, la prière que nous allons aller faire, nous allons nous opposer contre toute loi qui est établie. Alléluia. Amen. La loi qui est établie dans ta belle famille. La loi qui est établie dans ta famille. Alléluia. De fois, bien aimé dans le Seigneur, quand nous allons dans le mariage, nous allons rencontrer le combat de la belle famille. De la famille où nous sommes mariés, alléluia. Amen. Il y a des familles où, bien aimé, il y a le lien de la polygamie. Même si ton mari est chrétien, il aura tendance à aller à l'extérieur, alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Je l'ai compris. Lève-toi debout. Nous allons aller prier. Que toute loi, les lois s'établissent, la loi qui a été imposée dans ta famille, la loi qui a été imposée à ta famille, il y a des lois qui sont contre ta vie, il y a des lois qui sont contre. Dieu a dit, les femmes ont raison. Alléluia. Bien aimé, nous avons une personne à qui nous devons aller nous adresser. Cette personne, c'est notre Père qui est dans le ciel. Commence à dire des choses à Dieu. Commence à prier, bien aimé, par rapport à ta vie. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Commence à lever.
Sors de moi.
Il y a quelque chose. J'aimerais que tu sois concentré. Lève tes mains là où tu es. Bien-aimé, saisis cette opportunité. Saisis cet temps, bien-aimé. Parce que je vois Dieu changer les gens. Il y a des personnes qui étaient venues malades. Ils vont sortir le Seigneur guéri. Ils vont sortir le Seigneur guéri. Oh, il y a une maladie qui quitte ton corps. Il y a une maladie qui quitte ton corps. Il y a une maladie qui quitte ton corps. Je crois une délivrance. Merci Jésus. On me parle de 5 personnes. Donc, il y a 5 délivrances. Là où ils sont, je ne peux pas les toucher, mais l'Esprit de Dieu va le toucher. Que la puissance de Dieu te localise là où tu es. Que la puissance de Dieu te localise là où tu es. Je vois que ça commence. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce, reçois la grâce. Je libère maintenant. Je libère maintenant. Reçois au nom de Jésus. Dégage. Et Jésus s'est mis. Par le nom de Jésus. L'Esprit me donne un nom. Je vois des lettres. Il y a une personne ici. Je vois qu'il a belle loi. Si elle est là, viens devant. L'Esprit me parle de quelque chose. Merci Jésus. Merci parce que tu es là. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Ma soeur, c'est le nom de qui? C'est ton nom. Merci Jésus. Il y a une délivrance que le Seigneur veut opérer. Je voyais une maladie. Et on est de guérison. Le Seigneur te guérit aujourd'hui. Il y avait quelque chose en toi que le monde des ténèbres avait mis pour compliquer la maternité. Mais pendant que je parle, je vois le Seigneur en train de guérir. Je vois quelque chose. Il y a un banc de l'hôpital, mais je vois en Afrique. On t'avait pris avec une maladie. Mais cette maladie était une maladie qui a affecté ta maternité. Mais au moment où je parle, le Seigneur me dit, c'est élevé. Le Seigneur t'a guéri. Restez derrière elle parce qu'elle est forte gloire. Il y a une puissance de Dieu qui va pénétrer ton corps. La maladie est en train de quitter. On va pousser la bébé naïve. Il y a une forte gloire. Tu ne vas pas supporter cette grâce. Il y a l'onction de la guérison. Je prie, reçois la grâce. Et tu s'asseyes. Merci Seigneur pour la guérison. Merci parce que tu établis la guérison dans sa vie. Toute maladie, je la condamne maintenant. Reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus. 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 Élève tes mains là où tu es. Je vais faire une prière. Merci Jésus. Oh là, maman, ma soeur, Dieu me dit, il faut beaucoup prier. Je prophétise pour ta soeur, mais le Seigneur me dit, aujourd'hui, il y a une délivrance qui est liée à ta famille. Il y a une délivrance qui est liée à ta famille. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci parce que tu libères. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vois le Seigneur en train de guérir une personne. Mais on bénit ta mère. On bénit ta mère. Elle était souffrante. Mais je vois la guérison de Dieu. Je vois une guérison. Je vois la guérison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je libère la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus. Soulevez la main. Il y a une grâce de Dieu. Merci Seigneur. Lève-toi ma soeur. Je vois une date. On me parle de mois de juin. Juin. Mais je vois le 20 juin. Je ne peux pas citer l'année. Très significatif dans ta vie.
Merci pour ta présence. Jésus. Moto à sanga église, na bengu ya kosambela na biso. Mais si vous avez l'église, si vous avez l'assemblée, que vous avez l'église, vous avez l'église. Amen, amen. Tika, Zambé, à part pour la biso. Et ici, à la fin, vous avez l'appréciation que vous avez gâtée. Donc, on m'interpelle, Nicolo. Et ça, moi, et donc, on m'a invité. On va réussir les biso. Donc, à la fin, ne soyez pas pressés de rentrer. Il y a une petite réception qu'on a organisée. Et bien aimé, donc nous allons suivre le protocole qui va nous conduire, nous amener là où nous serons après la prière. Laisse que le Seigneur nous bénisse. Plus rapidement, j'aimerais que nous puissions offrir, donner les offrandes. Papa, mettez la chose pour l'année. Il va faire la prière de la clôture et il va prier, bénir ce que nous allons prendre. Pasteur Benelier, que le Seigneur bénisse.
Grand Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, le Dieu redoutable. Le Dieu qui fait des choses au-delà de l'entendement humain. Le Dieu qui fait des merveilles qu'aucun Dieu sur la terre ne peut faire. Le Dieu élevé très haut, le Dieu des gloires. Oui, Père, merci, parce qu'aujourd'hui tu as été avec nous. Merci pour ta présence, ô Dieu, qui a été manifeste en ce lieu. Merci pour ta main, ô Père, que tu as étendue. Et merci pour le guérison que tu as opéré, Seigneur. Nous croyons et nous croyons toujours à ta gloire, parce que tu es le Dieu qui a dit que je ne vous abandonnerai point et je ne vais jamais vous délaisser. Seigneur, merci parce que ce peuple est béni dans ta présence et tu les as bénis. Et je crois que cette bénédiction, ô Dieu, aucune personne ne peut les ravir, Seigneur. Parce que ce que tu as entraîné, mais personne ne peut les ravir. Voilà pourquoi je veux que tu puisses encore les bénir davantage. Je veux encore que ta main, Seigneur, soit étendue sur eux davantage, ô Dieu. Je veux qu'ils puissent encore palper de tes merveilles. Tu es un Dieu du surnaturel. Nous nous croyons au surnaturel. Nous confessons le surnaturel et nous marchons dans le surnaturel. Voilà pourquoi je veux que le surnaturel soit le partage de ma soeur, soit le partage de mon frère en ce lieu, au nom de Jésus-Christ, ô Dieu. Que tout ce qu'ils pensent d'aller dire, ô Seigneur, accorde-les. Que cette que l'Amérique, ô Dieu, leur soit accordée, Seigneur. Qu'elle soit des signes et des présents dans cette génération. S'il y a des femmes, ô Dieu, qui ont marqué l'époque, quand tu nous as parlé de Rahab, quand tu nous as parlé de Ruth, quand tu nous as parlé de Dieu Moura, comment était le cas de Naomi, comment était le cas d'Esther, Seigneur, dans un pays étranger, là tu es établi reine, que Seigneur, ces femmes puissent prier de mille feux dans ces pays, que ces femmes, Dieu Moura, soient élevées très haut, que ces femmes, Dieu Moura, puissent marquer leur époque, afin que la gloire puisse revenir, parce que nous faisons tout seulement à ta gloire. Père, nous bénissons aussi toutes les mains qui ont plongé leurs mains dans le panier. Seigneur, que tu puisses les bénir. Que la malédiction, Dieu, soit loin d'eux. Que, ô Père Tout-Puissant, tout ce que l'ennemi avait préparé, Seigneur, dans les corbeilles, Seigneur, dans les finances, je vais les anéantir au nom de Jésus-Christ. Je veux proclamer la bénédiction financière. Que le ciel soit ouvert, Seigneur. Que la rosée du ciel tombe sur elle et qu'elle ne puisse pas palper, mon Dieu, mon roi. De la bénédiction financière et qu'elle dise que le Dieu auquel nous croyons est le Dieu véritable. Je te bénis, Seigneur, que leur rentrée, ô Dieu, soit entre tes mains. Garde mes frères, garde mes soeurs, garde nos mamans, ô Dieu, afin que mon Dieu, mon Dieu, tout ce qu'elles ont reçu ici, qu'aucun démon, qu'aucune puissance ne peut les ravir, Seigneur. Protège-les, bénis-les, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Pasteur. Amen. Gloire.